Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, je vous suggère de mettre pause et de bien lire. Mais chez oui, non mais là c'est pas possible le t-shirt poussin avec le jean en cuir. Comme tout bon shonen, si on veut pécho, faut se mettre sur la gueule. Dis, ça te dirait qu'on fasse un petit duel ou juste moi dans ta tête? Mais je n'ai que 20% du terrain pour mes guerriers? Ah! Ça va être tendu. Mais dis-moi, Mai, pourquoi participes-tu à ce tournoi? Ah! C'est simple! Moi, ce que j'aime, c'est pognon! Ah! Hé! Hey, c'est quoi ce terme méprisant? J'invoque Masaki! Et qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me tirer les cartes? Tout juste, Joey. Figure-toi que je suis une médium. Attends une seconde. Hé les gars! Vous la connaissez la blague comment on appelle une voyante qui lit l'avenir dans le sucre en poudre? Une extra-glucide! Oh mon dieu. Oui? Ceci, Dame Harpie. Et qui va gagner plus 30% d'attaque grâce à la montagne. Allez, Dame Harpie, ne fais qu'une bouchée de Masaki. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Les pauvres monstres terrestres perdent leur bonus face à des monstres aériens. Et toujours sans regarder, je pose une carte face cachée. Mais comment fait-elle pour connaître ces cartes sans même les retourner? Mon petit tour de carte, tu fais perdre la boule. De cristal. Vas-y, Tigralache, attaque! Mais tu n'as toujours pas compris. Face à mes dames harpies, tu perds ton bonus terrain. Et je vais reposer une carte face cachée. Une magie, d'après ce que je vois. Bon! Après avoir vu plein de duels de Yugi, je vais utiliser la meilleure strat. La strat qui marche. La strat qui gagne. La défense. J'équipe Cyber Bouclier à Madame Harpie, ce qui lui octroie plus 500 d'attaque. Dis adieu à ton monstre, mon chou. Bien. Faut que je me concentre. Ah. Je sens le parfum de la victoire. Tu as utilisé un parfum différent sur chaque carte, c'est comme ça que tu arrives à les reconnaître. Ça y est, j'ai trouvé! Quoi? Mais comment as-tu pu réussir à découvrir le secret de ma stratégie parfumée? À présent, je vais transformer ta harpie en poulet rôti. Vas-y bébé dragon. C'est lui qui doit rôtir mes harpies. Et tu me fais peur, j'avais cru une vraie carte. J'active égotiste élégant qui va cloner Madame Harpie en 3 exemplaires. Ah, je sens qu'elles vont me voler dans les plumes. Heureusement pour toi, je ne peux pas attaquer le tour où j'active cette carte. Mais est-ce que j'ai une seule carte dans mon jeu qui puisse la battre? Faut que j'y réfléchisse. Si j'avais su que tu mettrais autant de temps, j'aurais pris un bouquin. Merci. Mais oui, le magicien du temps, c'est la solution. Vas-y, aime des cartes, guide ma main. Oui, c'est le magicien du temps. Que tourne la roue du temps. Apparaît, dragon millénaire. Non plus très frais tes poulets là, je crois. Vas-y dragon millénaire, c'est l'heure de la cuisson. Fais-en une belle brochette pour moi. J'ai faim. Non.